vague du cinéma grec produit des films aussi absurdes que la crise financière qui frappe le pays. Bienvenue à Athènes, capitale de la Grèce, prétendu maillon faible de l'Europe. Ce spot pour la Biennale d'art contemporain d'Athènes a été tourné par Yorgos Zoïs, représentant d'un nouveau cinéma grec qui dérange. Je suis très attaché à cette place parce que c'est d'ici que partent toutes les manifestations. La scène du jeune homme qui lance un cocktail Molotov a été tournée ici. Elle est dans mon spot pour la Biennale, qui a ensuite été interdit à la télévision publique grecque. En arrière-plan, on voit un attroupement. C'était une vraie manifestation qui avait lieu au moment du tournage. Vous avez utilisé de vrais cocktails Molotov ? Non. Sur un tournage, on travaille avec des objets factices. Ce n'était pas un vrai. Ah, vous voyez là-bas ? Il y a encore une manif. C'est typiquement grec comme situation. La vie vient perturber l'art et l'art vient perturber la vie. Tout se mélange. Dans Interruption, le premier long métrage de Yorgos Zoïs, réalisé en 2015, un groupe de jeunes gens armés interrompt une représentation de l'Orestie d'Eschyle et prend le contrôle de la pièce. Είμαστε ο χορός. Και από εδώ και στο εξής θα είμαστε ο οδηγός σας για απόψε. En réinterprétant l'histoire d'Oreste, Interruption fait aussi acte de révolte contre la mythologie classique grecque. Ancien étudiant en mathématiques et physique nucléaire, Yorgos est une figure à part dans le cinéma grec. Son film explore la zone d'ombre entre l'art et la réalité. Révolutionnaire, spectateur ou comédien, plus personne ne sait où se situent les frontières entre la réalité et la fiction. Εγώ είμαι ο νοχός. Εγώ τα έκανα όλα. Η παράσταση τελείωσε. Ανάψτε φώτα. Σηκωθείτε, φύγετε. Φύγετε. Τι κάθεστε. Βγείτε έξω όλοι. Interruption évoque des faits réels, l'assaut d'un théâtre moscovite par des rebelles tchétchènes. Le public pensait alors que l'attaque faisait partie de la pièce. Ironie du sort, le film de Yorgos Zoïs a lui aussi été rattrapé par la réalité. C'était au moment de l'avant-première au Festival du cinéma de Thessalonique. Il y a eu la projection du film, puis un débat de trois quarts d'heure avec le public. J'allais quitter la salle quand une spectatrice m'a abordé en me montrant son téléphone portable. Elle avait reçu une alerte qui disait qu'il y avait une prise d'otage à Paris. On était 400 personnes dans la salle et personne ne savait si c'était vrai ou faux. Il paraît que même au Bataclan, la majorité du public a d'abord cru que les coups de feu faisaient partie du show. C'est une réaction très fréquente. On ne voit dans un premier temps que ce à quoi on s'attend. L'absurde est également en toile de fond du cinéma réalisé par Atina Tsangari. Dans son dernier film, Chevalier, six hommes se lancent par ennui dans une série de compétitions loufoques. Leur but, déterminer qui est le meilleur en tout. Chevalier est un jeu auquel nous jouons tous les jours, consciemment ou inconsciemment. Rien qu'en te regardant, je te donne des notes. Pour ta chemise, pour la couleur de ta chemise, pour ta barbe,
On ne se connaît pas, mais on s'évalue l'un l'autre. Tu es en train de le faire, là, maintenant. Toi aussi, tu me donnes des points. C'est un jeu parfaitement absurde. Mais ce n'est que le reflet de l'absurdité du quotidien. Atina Tsangari s'est fait connaître en coproduisant Dog Tooth, canine en VF, qui raconte l'histoire de trois frères et sœurs élevés à l'écart du monde par leurs parents. Le film avait été nominé en 2011 pour l'Oscar du meilleur film étranger. Un plasma comme celui qui s'évole aujourd'hui dans le kipo de la diamélise. Από την άλλη, όμως, ήταν γιος μου. Και λυπάμαι. Το ζώο που μας απειλεί λέγεται γάτα. Είναι το πιο επικίνδυνο ζώο που υπάρχει. Τρέφεται με κρέας. Και συγκεκριμένα με κρέας παιδικό. Après des études de littérature en Grèce, Atina part aux États-Unis faire des études de cinéma. Étudiante à l'université d'Austin, au Texas, elle joue en 91 dans le film Slacker de Richard Linklater. De retour en Grèce, elle rencontre son futur complice, Yorgos Lanthimos, figure de proue de la nouvelle vague grecque. Il est le réalisateur de Canine et joue dans Attenberg, un film remarqué d'Atina Tsangari. Les deux partagent une prédilection pour les dialogues absurdes à la Samuel Beckett. Σε λένε? Μαρίνα. Σ' αρέσουν οι suicide? Ναι, πολύ. Και εμένα. Αλλά με καθέως. Le nouveau cinéma grec use et abuse d'humour noir et de l'aliénation de ses personnages. Atina Tsangari est née à Athènes, mais a grandi à Aspraspitia. Cette cité dortoir des années 60 pour les ouvriers d'une usine d'aluminium a été immortalisée dans son film Attenberg. Je tournais Attenberg quand les débuts de la crise se sont fait sentir et que tous ces rêves de modernité se sont effondrés. Je me souviens quand j'étais petite, c'était une ville très belle, multiculturelle, ce qui était rare en Grèce. Les enfants jouaient dans les rues. 30 ans plus tard, on dirait une ville fantôme. Les réalisateurs grecs ont l'objectif braqué sur leur pays en crise. Leur cinéma n'est que le reflet de la situation politique actuelle. Il faut rappeler que la situation grecque n'est pas seulement absurde, elle est schizophrénique. Nous avons un gouvernement de gauche qui impose des mesures de droite. On est un pays bipolaire. On devrait tous prendre de petites pilules. Mais je crois qu'il faut absolument éviter de tomber dans une espèce d'approche pornographique de la crise. C'est un risque, parce qu'une situation de crise peut aussi bien générer de la poésie que de la pornographie.